mis donc à profit le temps qui nous était imparti pour rencontrer nos co-contractants. Nous avons eu à donc travailler ensemble pour nous enquérir de l'état de validité, de fonctionnalité donc de tous les kits. Et ne serait-ce que pour organiser le recensement pilote, nous avons également profité de l'occasion pour aller voir là où on produit les cartes d'électeurs à Paris. Et nous avons porté donc notre choix sur le format et les descriptions donc techniques. Et nous en sommes revenus. Nous avons évoqué avec nos co-contractants la possibilité de venir donc former les 30 formateurs de formateurs qui, à leur tour, vont démultiplier donc la formation qui doit s'étendre sur les 200 que nous aurons à recruter incessamment pour aller vite, conformément donc au chronogramme qui, comme vous le savez, est très serré. Au salon d'honneur de l'aéroport international Hassan Diamousse de N'Djamena, le président de la CENI s'est prononcé sur la qualité et la performance de ces kits. Nous avons emmené avec nous une cinquantaine qui sont en train en ce moment d'être débarqués. Et je dois vous dire que ces kits sont fonctionnels. Et nous sommes revenus très satisfaits et rassurés. Nous avons au demeurant choisi 4 provinces, localités pour être précis. Baolanga, nous avons choisi Bébéga, nous avons choisi une zone du centre dans le Guéra. Nous hésitons entre le Guéra et le Bataille, dans tous les cas c'est au centre. Et un ou deux arrondissements de la ville de N'Djamena. En guise donc d'enrôlement pilote, n'est-ce pas, pour attester de la fiabilité et surtout de la fonctionnalité des kits que nous venons de débarquer. Toutes ces démarches concourent au respect du chronogramme des élections, vœux chers au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno.